Salut à tous, c'est Sorator pour un nouvel épisode sur Pokémon Légende Arceus. Je dis Arceus, n'est-ce pas? J'avais pas vu, mais là-haut on a une cheminée qui représente Smogogo Galar. What the fuck? Je le précise aussi au cas où j'ai une douleur à la langue, donc je peux peut-être bafouiller un peu plus que d'habitude. Manger quelques syllabes, je sais pas, mais... ça me dérange un petit peu. Donc on verra si je décède dans les jours à venir. À cause d'une langue malade. Alors normalement du coup... c'est pas elle qu'il faut parler. What? Si. On a pu franchir un palier dans la progression. Non, non, pour vous, c'est pas ça. Je reconnais tes progrès. Tu as bien mérité une étoile supplémentaire. On va pouvoir passer niveau 1. Let's go. Non, non, c'est que depuis mardi dernier, j'ai eu un goût acide dans la bouche pendant 3 jours. C'est passé, mais depuis, j'ai mal à la langue sur le... surtout au côté droit, à l'intérieur. Je sais pas ce que c'est. Donc si je vois que d'ici lundi, enfin demain soir, ça va pas mieux, ben, j'appellerai le médecin. Mais... comme ça évolue, je me dis, ça va peut-être passer tout seul. Niveau 1. Et du coup jusqu'au niveau 20... plus de récompenses quand vous ferez vos rapports de recherche. Mars Ball. On va pouvoir faire des Mars Ball. Des rappels. Alors c'est bien, je viens de ranger mes galets noirs dans le coffre. Donc c'est peut-être pas le genre d'item qu'il faut ranger au début du jeu. Bon, on commence à être un peu accepté, c'est cool. Plus on évolue, plus on pourra utiliser des Pokéballs différentes. Tu auras davantage d'autres récompenses également, let's go. Du coup, est-ce qu'on va pouvoir explorer une autre zone? Se faire poser. Bah à la limite, j'aurais dû couper l'épisode de la dernière fois là-dessus. J'avais peur que ça parte sur 3 quarts d'heure de blabla. Mais ça va peut-être partir sur 3 quarts d'heure de blabla en fait. 1-1. C'est pas un aft, hein. J'ai déjà eu des afts, hein. C'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Je crois que mes beignets de patates sont encore plus délicieux grâce à cette bonne nouvelle. Tiens, mais d'ailleurs, t'as bien accepté la quête d'Emily. Comme tu le sais, la plupart des habitants de Rusticité savent rien des Pokémon. Du coup, quand il y a un problème, c'est encore de chercheurs de le résoudre. On est les spécialistes en Pokémon. Pour accepter une de ces requêtes, il faut parler à la personne, mais tu peux aussi consulter la liste affichée sur le tableau de mon labo. Risa du clan Diamant qui a fait cette demande. Un peu de repos. On verra ça plus tard. Bonsoir Guillaume. Ça va faire 6 jours pour vous. C'est pas ça. Hein. Ça évolue plus vite normalement. Alors, t'aurais le temps de m'affronter avant d'aller voir Risa. Il a qu'un Pokémon? Si t'attrapais plein de Pokémon, tu peux changer la composition de ton équipe. Oui, non, mais merci. Petit pépé. Hein. Direction le dojo. Du coup. Je sais pas ce qu'on. T'as quoi comme Pokémon là? Avec tes chaussures Shrek là. Alors, ça fait un moment que je voulais t'en parler, mais... faire s'affronter des Pokémon, c'est trop effrayant, honnêtement. Moi aussi, j'ai un partenaire comme tous les membres du corps des chercheurs, mais bon. Pikachu, mais quel tricheur! Ouais, d'accord, Guillaume. Au moins 300 Pokémon ce soir. Non, mais c'est énorme, 150. What the fuck?
Ils font peur. C'est parce qu'ils ne connaissent pas, mais oui. Regardez-moi ces ombres. C'est incroyable. Jaune fluo. My eyes. Mais non, mais arrête, t'abuses pas. Ok, par contre, je peux choisir mon Pokémon SVP. Ah! Ils vont se battre. Bon, comment ça va, les nouveaux arrivants sur le live là? Ça va bien? Après, j'ai pas de roche ni de sol. Et... Par contre, pourquoi lui il se déplace? Pourquoi je dis ça sur lui? Je beurrai. Par contre, je fais des dégâts. Cage éclair. Le sale. Ça récupère que des PV. On va essayer de survivre à un assaut, on verra bien. Je suis paralysé, mais j'ai la priorité. Je comprends pas. C'est pas les mêmes attributs. Jaune pisse carrément. What? Capacité maîtrisée pour Mustéboué. 1-1. On dirait que vous n'avez même pas peur de vous battre. Mais non, easy. C'est quoi ce cri de Pikachu? Ah, le prof m'a dit que les Pokémon ont différents types. Ok. Type électrique, merci. Alors attends, oui, mais en théorie, plante, glace, insecte, acier, ouais. Il n'y a pas l'air d'avoir... Il n'y a pas... Attends, quoi? Le tableau n'est pas complet? Ah oui, j'allais dire que c'est ce tableau incomplet. Hein. Ok, mais bon, bref. Tiens, c'est toi la nouvelle recrue dont tout le monde parle? Oula. Je m'appelle Belia. Belila, pardon. Je suis la chef du corps de la défense. Oula. Oula. Pourmi, c'était... Quoi? Pour Mistéboule? Attends, qu'est-ce que t'as dit? Mistéboué? Quoi? Mais t'es beurré, hein? Bonsoir, Dictat. J'ai parlé de Mistéboué. Pourquoi tu parles de boule? Il est fou! Il est fou! Alors... Quand un Pokémon maîtrise parfaitement une capacité, il peut en changer le style. Donc puissant ou rapide, on l'avait vu, ouais. Ça, on a déjà remarqué tout ça, madame. Mistéboué! Oh putain. Une catcheuse. Mais oui, elle a l'air costaud, la demoiselle. Oui. Donc rapide, baisse la puissance. Avance la position du lanceur dans l'ordre d'action. Consomme plus de PP. Mm-hmm. Des PP. Ça doit en consommer deux, du coup. Ok. Donc on va aller la voir si elle peut nous apprendre des nouvelles capacités. Alors on doit rejoindre Risa au pied de la colline Ambition. Prépare-toi bien. On va regarder niveau capacité, je sais pas si ça se paye. Parce que là déjà on a acheté un fucking talisman 3000 balles pour encaisser plus de coups des Pokémon sauvages. Alors que ça parlait d'endurance, donc moi j'avais pas compris dans ce sens là, mais c'est pas grave. Alors, apprendre une capacité. Genre par exemple, Evoli, il sait rien faire de sa vie. Faut payer. Mais... Il va pas apprendre Météor naturellement? Non, 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 j'avance, Guillaume. Mais c'est qu'il y a toujours des tutos de partout, mais non, ça, j'avance. Mais Météor, par exemple... Parce qu'au charge, c'est de la merde, quoi.
feuille magique. Mais bon, pour l'instant, je vais pas cramer de thunes, mais. Vent mauvais. Vent mauvais. J'hésite à mettre. Parce qu'un évolu, je pense qu'on va en garder un. Et météore. Bah écoutez, je suis un fou. À prendre. Je sais pas. Ok, et si on veut la maîtriser, il faut repayer. Sans graines maîtrise, pas de maîtrise. Ok. Ok, donc quand on a 10 du petit, tu peux avoir. Enfin, oui, tu peux avoir celui qui est au-dessus. Ok, très bien. Pour l'instant, dans ma team, je vais peut-être garder Baudrive. Dixie, je veux pas parce que je l'ai utilisé dans mon let's play, là, un diamant. Mistébou, je l'ai pas utilisé, donc ce sera l'occasion peut-être de le faire évoluer dans ce jeu. Et Tourmi, pareil, ça restera pas. Et Brindibou, c'est le sang de la veine. Regardez-moi ce swag. Oh yeah. Je sais même pas quelle génération c'est là. Toujours dans la même zone, ok. Après, on aura peut-être accès au pont. Genre, tu n'aimes pas les Pokémon. Non. Non, parce qu'en fait, les Pokémon, c'est pas comme dans les classiques. T'en captures genre 143 à la minute. C'est pas les mêmes mécaniques pour vous. Oula. Qu'est-ce que. Ah, je t'ai fait peur. Je crois bien que oui. Normal, puisque c'était mon intention. Tiens, que dirais-tu que je t'enseigne une technique efficace pour attraper des Pokémon? Est-ce que tu peux aussi apprendre des techniques à Game Freak pour mettre de la musique dans le jeu? C'est la technique secrète de l'approche sur. Mais putain! Pardon. Oh my god! Je fais ça depuis le début du jeu en fait! Ah, c'est aux cheveux longs. Bah oui, en plus, j'ai l'impression qu'on va le voir souvent. What the fuck, man? Alors, je vais apprendre une technique que je fais tout seul depuis 3 heures. Merci de l'intelligence artificielle, mais de Nintendo, hein, inexistante. Hein. My god. Tiens, je ramasse des cailloux. Non, c'est des baies, c'est pas des cailloux. Ok. Je pense pas que les Pokémon aient changé. Alors après, fermez les yeux, ne faites pas gaffe au graphisme. Ça, quand tu regardes sans être immergé dans le truc, c'est très moche. Quand même. Hop. Nous, on veut de la nouveauté. Ah, pour eux, attends, s'il y a un truc, faut que je te montre. Et Tourmi, il a l'air bien gros, lui. Joseph. Il est où, celui que je veux voir, là? Ah, tu peux faire des esquives et tout, là. C'est moche, mais je m'y fais. Oui, mais faut être dans le jeu, quoi. Parce que si tu regardes de manière objective, c'est vraiment dégueulasse. Hein. Pas se mentir non plus. Merde, il est où? Oh fuck. Parce que ça va être une mécanique que je connaissais pas. Pas de combat STP, apprends à viser correctement. Et... Putain, ça le prix. Je visais les cailloux. Je voulais faire le test, et ben voilà. Tu peux t'enfuir ou je te tue, c'est comme tu veux. Je prends ta puissant. Ça l'a même pas tué, mais... Il va s'enfuir en plus, non? Saloperie. Et je voulais juste en fait... faire ça, merci. Amasser des cailloux. Je cherche un Pokémon particulier. D'ailleurs, je crois que j'ai vu un truc en haut là, non? What? J'ai vu un truc bleu. Non, non, mais le jeu, il a des trucs cool. Même les évolutions, tu verras, sont cool. Il y a un truc là-haut. Hein. Je sais pas si c'est un Pokémon ou un objet. J'ai vu un truc bleu, me semble-t-il. Bon, bah, je retrouve pas ce que je cherche. Mais ça a pas l'air d'évoluer, en tout cas. La zone est la même pour l'instant. Attends, ce que je cherche... Si, c'est par là. Pour vous, tu savais qu'il y avait ça ou pas? Tu sais, on se croirait dans les RPG quand t'as les monstres beaucoup trop forts pour ton level.
C'est pas ce que je fais. Genre les niveaux 40, le machin. Là. Après, est-ce que, sur un malentendu, genre... Vas-y, va manger tout. Ça marche? Ça sert à quoi ce truc? Je sais même pas à quoi elle sert. Sur un petit malentendu, il est en train de manger. Ouais, bon, ça marche pas. Allez, salut. Je me demande, c'est pas ça que j'ai vu en haut de la colline, donc c'est de la merde. Mais genre, t'as des galopas niveau 40 alors que t'es niveau 10. Donc. Plagiat Tales of. Ouais, non, mais dans plein de RPG, t'avais ça même sur. Xenoblade Chronicles 2. T'avais la même chose. T'avais des. Des mobs super haut level qui, des fois, venaient même s'incruster dans les fights. Du coup, je suis quasiment sûr d'avoir vu un truc là-haut. J'ai quand même envie de vérifier, mais on peut pas. Hein. Ou alors, je suis complètement fou. Au choix. Parce qu'à terme, je sais pas s'il y aura de l'escalade, est-ce qu'il y aura de quoi faire surf. Bon, c'était le petit détour. Inutile. Mais je voulais revoir le Ponyta et tenter un truc. Parce qu'après, j'ai quand même looté des cailloux, là, comme ça, là. Ou de la boue. Bon, je pense pas que ça suffit... Que ce soit suffisant pour capturer... un fucking... galopa niveau 40. Quoi? Quelle question? Ah, j'avais pas vu. Mode portable, j'ai pas essayé. Et ça rame pas, non. Mais je joue jamais en mode portable sur la Switch en vrai. Surtout avec un Joy-Con de merde avec toute la vie. Qu'est-ce qui m'agace? C'est un Kibix. Qu'est-ce qu'il veut? Oh oh oh! Non mais dis donc! Il veut quoi, lui? Complètement fou. N'importe quoi. Zenix, j'en peux plus. Hein. Les shiny se trouvent facilement dans le jeu. Mais alors du coup, est-ce que tu les vois sur la map ou faut... Ouais, faut les capturer pour voir... ça. Hein. Normal. Ah, il est niveau 2. Nul. Donc tu vois, il y a plusieurs types de comportements. Enfin, globalement, t'en as trois. Hein. T'as ceux qui s'enfuient, t'as ceux qui sont neutres, et t'as ceux qui sont agressifs comme nous. Du coup, suite du jeu. Un petit goût infrex. Fais bien attention, il y a de nombreux Pokémon puissants qui vivent de l'autre côté du pont. Ah yes, on peut passer, on a le rang adéquat. Les musiques sont sympas, les musiques sont très faibles. Hein. Mais après, tu verras les évolutions des Pokémon aussi. Oh, j'ai vu la coccinelle dégueulasse, là. Ah, par ici. On est à 2 mètres, calme-toi. Voici Sorator. Tiens, t'es nouvelle, toi. Je t'ai jamais vu au village. Bref, c'est pas un souci, vous êtes là pour la mission, c'est ça? Je suis Risa, gardienne du clan Diamant. À l'occasion, je t'expliquerai ce qu'il y a à savoir sur le clan Diamant et les gardiens. Et pour le moment, on a plus important à faire. Alors, je préfère aller droit au but. Ouais. Tu veux te battre? Lui, c'est mon partenaire, Goinfrex. Mais tu vois, ils ont cette logique d'avoir un partenaire. Tous, quand tu leur parles, c'est mon partenaire. Ils ont pas le but d'en avoir 6. Comme nous. Je vais bien. Allez, swag. Mais la tronche des persos sont plutôt réussies. Hein. Contrairement à la texture de certains motifs sur les vêtements qui sont dégueulasses. J'ai regardé à midi SNK. Ah! Fais dodo! De toute façon, j'allais dire il est normal, il peut rien faire. Comment je fais pour changer? Il est normal? Bah oui, mais j'ai rien. Il a crevé comme une merde. Adieu. Adieu, mon cruel. Ah.
Mais comment je fais pour résister à sa merde à lui là? What the fuck? C'est qui a le plus de PV? Brandibou. Oh my god. Après il peut se soigner lui. Si t'as réussi, Dictate, t'as réussi. Je peux pas esquiver Michel. Attends, je tank pour toi. Je crois que ça a rien fait. Mais putain, mais... Mais en plus, il prend de la puissance à chaque fois, je crois. Je vais mourir. Il sort d'où son Pokémon, là? Elle... Mais... Brindibou! Non mais le truc il est niveau 10, il me touche tous mes Pokémon là. Evoli, à toi de briller. Oh le pauvre, on va se faire vite. Attends, Météor il est où? Je l'ai appris à qui Météor? Qu'est-ce que c'est que cette merde? J'ai appris Météor, mais à qui? Non mais, même t'as des Pokémon niveau 2 des fois qui tankent, c'est incompréhensible. C'est peut-être pour ça qu'ils en ont qu'un, parce que... Enfin je sais pas, c'est un peu bizarre. Ah, tu manques pas de talent! Putain, je sais pas qui j'ai appris Météor, j'ai envie de... Tu l'avais appris à Evoli, bah oui mais... C'est toi qui vas t'occuper de cette mission. Je veux que tu battes le baron qui dévaste le plateau Sermon. C'est un très grand Pokémon, donc c'est les Pokémon aux yeux rouges, j'imagine. Ah, ton objet bizarre là. On dirait qu'il te montre où aller. Alors... Allons-y! Alors, par contre, faut m'expliquer pourquoi Wii Meteor n'apparaît pas. Est-ce que tu connais le Grand Sinnoh? La divinité qui a façonné l'univers tout entier en manipulant le temps. Il a créé le continent de Hisui, qui l'a rendu habitable pour les Pokémon. Nous, peuple du Grand Diamant, sommes les descendants de ceux qui ont traversé la mer pour s'installer à Hisui et vénérer le Grand Sinnoh. Cependant, il y a bien longtemps, le Grand Sinnoh a décidé de se cacher. Et on dit qu'il s'est presque jamais montré depuis. Ok. Ben allons-y. Attends, parce que du coup... T'as quoi, toi, là-bas? Déjà, je vais aller dormir, MDR. Ils ont été heal, ok. Pourquoi? Nyeh, gagne bégé, intelligent! C'est chelou! Pour la peine, je t'y bug le sol. Bordel. What is that shit, man? Tu peux te retourner, s'il te plaît? Merci. J'ai un Pokémon moche, let's go! Il ne m'intéresse pas. On va se balader un peu. Des coccinelles là. Elles sont agressives ou elles fuient? Elles fuient, ok. Non, non, mais oui, un dictateur. Même le... là où on est, c'est la Team Galaxy, s'il te plaît. Je suis pas en train de sortir de la map là? Non, d'accord.
sais pas, c'est bizarre. J'ai l'impression qu'il n'y a rien. Encore des coccinelles. On va regarder les objectifs. Parce qu'il y a ce délire aussi de... Vraiment d'étudier les objectifs à remplir. Attrapé, vaincu... Ouais. Mais il se fout de ma gueule. Mais dis donc. Dis donc. Non. Ok, tu veux jouer à ça. Merde. 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 Comment ça annule? Excité. Il va fuir. Je pense pas pouvoir le one shot. Vol vite. Il me suce. Par contre, Baudrive il a beaucoup de PV, non? Ouais. Mais putain, il me suce et il se casse, d'accord. What the fuck, man? C'est quoi ces manières, hein? Attends, c'est un insecte. On va le bouffer, votre insecte. Il est où, il y en avait un, là? Ce qui est bien, c'est que tu peux te déplacer. Ça sert à rien, mais... Prends la fuite. Nick! Mais arrêtez de me repérer, alors que je vous vois même pas. Je veux en tuer un, OMG. Ah, tac, 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 tac. J'en ai tué un. Let's go. Et du coup... Hop, tu évolues le truc avec lui, entre guillemets, là. Donc là, faut que j'en tue 2, voire 4. Donc l'espèce a reçu de la nourriture. Pour l'exemple, un abra. Un abra. Ou... Wout. Pardon. Il est gros. Alors, est-ce que je peux le... Do you foutre off my gueule? Je te déteste ce jeu. C'est le pire jeu, ça y est. Oh putain, calme. What the fuck? D'où en fait? Bah, regarde pour haut. Jour-nuit, en effet. Et c'est pas les mêmes Pokémon. Par exemple, celui que j'ai, là, le Baudrive, il était que de nuit dans la première zone. Si je m'en vais et que je reviens, est-ce qu'il sera revenu, le Abra? Putain, c'est... Mais j'étais à quatre pattes. D'où il m'a vu, là? Bon, ils ont pas l'air de revenir, les insectes. Je voulais essayer de donner de la nourriture, voir si je pouvais compléter l'étude du Pokémon. Mustébouy, on va les ignorer. Mustéboué pour eux, pas Mustéboule. JPP2. Le Abra, il va pas revenir. J'ai envie de mourir. C'est l'un de mes Pokémon préférés! Mais... Pourquoi tant de méchanceté? L'année tourne évolue, il a les yeux rouges! Mais... Je vais voir son level. Putain, il est un peu face à moi en fait. C'est un peu chiant. Face à moi... Est-ce que je peux le... Focus SV. Pourquoi j'arrive pas à le focus là? Mais le machin, faut que je le rentre dedans pour le focus? Ah merci. Niveau 32. Au revoir. Bon, je me casse. Oh, ils sont tous agressifs ici. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Fuck. Abra. Je vais te suivre jusqu'à la. Putain. Non, 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 non. Tu veux quoi, Tolo? Pfff, au secours. Il a pas l'air d'avoir les yeux rouges, lui. Bon, par contre, il va falloir arrêter, hein, Mister, là-bas. Harcèlement. Pas sûr que ça marche, hein. Ah, si. Ah, nice. Ok. Ah, Nosferapti! Qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Et là, il est en mode vénère, là. Qu'est-ce que je fais?
Pourro, tu vas te concentrer. Voilà, voilà, Pourro. Bravo! Oh my god. Et du coup, je suis en PLS. Je me fais la gare, je peux crever. Let's go. C'est épique. Heureusement, j'ai pris mon amulette pour avoir un bonus d'endurance. D'accord, merci le jeu. C'est quoi ça, les Béoran? Oh putain, il y a... Ouais, non, mais il y en a partout des Pokémon diaboliques, là. Pourquoi je me suis écarté du chemin, là. Il a pas l'air d'être diabolique, lui. La fleur est chelou. On va essayer, mais... Je sais pas ce que fait cette baie. Ça m'embête. Niveau 13. Ok. Et ça, c'est quoi, ça? Plante pépé. C'est une plante pépé. Oh, la plante pépé. Oh, merde. Merde, merde, merde. Je vais me faire regarder par un Sphérapsi. Tiens, meurs. Ah! J'ai pas visé. J'ai pas visé, en fait. Qu'est-ce que... Calme-toi. Je me trompe de touche. Mais qu'est-ce que... Au secours! Genre, faut vraiment viser, quoi. Merde. Vous voyez le skill à l'état pur, c'est incroyable. Et... Oh, mais il est niveau 11! C'est quoi, ça? Oh, putain. Nice. Achève-le. Ça m'a bien d'ab. Aussi délicat pour le dab. Qualitatif. Mais les Pokémon, regardez, je me fais même mi-vie par un Nosferapti niveau 11. Ce n'est point normal. Il y a un problème quelque part. Ouais, c'est une baie. Ah, mais pas sur lui, la baie. Je sais pas si ça marche sur toutes les espèces, en fait. Ah, évolue qui peut évoluer. Mais comment? How? Ok. Pas pu te changer de pierre. Mais non, je suis en pyjama jusqu'à demain matin, en fait. Faire évoluer. Pour regarder l'évolution. C'est magnifique. Je trouve les évolutions super stylées. Et te remis faire évoluer. Je vais pas intervenir. Par contre, je sais pas en quoi va évoluer le Evoli. J'ai pas de cahier. Non, ils ont fait un effort comme quoi, quand ils veulent se sortir les doigts de l'anus, ils sont capables de le faire. Faut juste qu'ils aient envie de le faire. En quoi il évolue, lui? Il fait jour ou il fait nuit? Il fait nuit, Noctalie? Je sais pas. Ok. Qu'est-ce que... C'est normal que j'ai déjà un Noctalie à ce stade du jeu? Bah...
Ok. Pas vous retourner, moi. Madame la chauve-souris, là. Me casser la tête. Retourne-toi. Bzzz. 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 Oh, putain. Bataille d'oiseaux. Ça réduit un V2. Par contre, à gauche, il y a un bruit chelou. Je sais pas si c'est la coccinelle géante, mais c'est bon. C'est un putain de Nosferati, mais Mimi vit. Ce n'est pas normal. Ah, mais je trouve ça stylé, Guillaume. Peu importe le Pokémon qui sort. Hein. L'animation de base est stylée, quoi. Capacité maîtrisée, ok. Par contre, je m'approche pas du tout d'objet. Tiff. Comment tu veux t'approcher de l'escapement là, tu peux... Niveau 16 Ne meurs pas. Ne meurs pas. Mais qu'est-ce que... D'où ils font double attaque là? Oh putain. Oh c'est la merde. My God. Je me fais victime par des putains de Nosferati, c'est sérieux. What the fuck? OMG. Alors, petite potion là. Est-ce que je peux crafter? Comment on craft déjà? Comme ça. Confection. C'est bon, oula, putain, je voulais pas faire ça. J'étais pas revenu dans le menu d'avant, ok. Utiliser. Alors, bizarrement, moi je trouve que les Pokémon sauvages ils font mal là. C'est pas des vieux Pokémon, même les Pokémon niveau. Bah, niveau ils peuvent te mettre mi-vie quoi, what the fuck. Alors, tac tac tic tac tac tac. Timix. La mort. Mais non, après on nous emmène au Poké Center et ils sont tous. Tous en pleine forme. Et oui, c'est le pouvoir de l'amitié. Bon, vous cassez la tête les chauves-souris là. Chut. Va voir là-bas si tu suis. Mais attends, c'est l'évolution ça. Bon, je vais spammer les B maintenant. Hé ! Non, non ! Pousse ! T'as raté. Je reste accroupi, je panique. Hein. Je sais pas ce que. Nul à chier. Normalement. Ah oui, mais il va encore avoir une attaque roulade ou je sais pas quoi qui va me casser la tête. Hein. J'ai pas lu la fin du contre-coup. La prochaine action du lanceur risque d'arriver plus tard. Okay. Je peux capturer la Vikidor, ça marchera pas. On va tenter. Il est full life, je pense pas que ça marche. Bon, on sait jamais. Vu que les mécaniques sont un petit peu différentes. Je pense que là, on se rejoint sur un truc classique. Hé ! Oh non, il passe en mode vénère de ouf.
Mais tu dors? Attends, il dort, hein. Je sais pas, il est au courant qu'il dort ou pas? Monsieur, tu dors? Qu'est-ce que c'est que cette merde? En vrai, s'il a que charge, on est safe. Il peut pas me toucher. Oh putain de merde. Il dort! Il y a le zzzz! Mais il dort. Oh putain de. Au secours! Je me casse. Ah! Sauvez-moi! C'est le pire endroit ici en fait. What the fuck? Je suis un peu choqué. Ouais, genre ils ont fait des bouts de bois comme les barrages des castors. Trop mignon. Je veux quand même en choper un. Donc... Ouah, c'est bon. C'est où? On est où là? Qui se dit au secours? Je me fais victime. Faut level up. Mon Pikachu est décapité! Mais qu'est-ce que. Je compte sur vous. J'ai besoin de level up. Ah putain. Il était pas tout à fait de dos. Ça a pas compté comme une attaque surprise. Crow éclair. On commence à prendre des belles attaques. Je vais peut-être fermer les étourneaux au niveau 15. Ça fera du bien. Ça, je voulais pas m'en servir, mais du coup, je vais m'en servir tout le temps, mais il est trop fort. Est-ce que je m'approche quand même de l'objectif? Ouais, vite fait. Tiens, on va sortir un peu de Noctalie. Il a aboiement. Putain de... Sacré. Retourne-toi. Oh, il y a un para. Paras. Mais il a l'air bien rouge. What? Il est diabolique. Mais puis... Ah bah alors toi. Mais putain. Niveau combien? Niveau 11. Il est bien rouge, hein, je trouve. Hein. Retourne-toi. Hein. Bon, j'ai jeté un peu loin, ça marche quand même. Ça passe. Yes. Je sais pas si je garde un Octaline. C'est pas forcément celui que je voulais. Hein. Retournez-vous là, derrière. J'existe pas moi. Derrière, j'ai dit. Ah! T'es sûr? T'es sûr? Are you sure about this? Mais attends, mais il a été modifié! Il fait peur! Qu'est-ce que. Voilà! Il fait Oméga peur? Il faisait pas peur dans la... au début? Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont fait là? Je suis un peu choqué. J'ai besoin de level up. Il fait peur de ouf. Par contre, il peut apprendre des compétences, mais un jour. Hein. Mais non. De base, je sais pas, les yeux ressortent, les dents sont terrifiantes. What? Oh, il y a un. Comment il s'appelle lui? Oh merde. Oh merde. Qu'est-ce qui se passe?
J'ai pas vu l'été caché. On le voit toujours pas. C'est un boss niveau 10 caché dans les hautes herbes. Donc ça, les vrais combats de base, c'est comme ça en fait. Ils ont enfin rendu les combats réalistes. GG. Il va être encore au niveau 1 milliard. Par contre, il y a du caillou au level. Attends. Putain, mais il a tellement de PV, lui. Donc t'as lui aussi 128. Pardon, je me suis trompé. Je voulais pas le refaire. Ça marche par contre, sinon ça va ruiner mon plan. Mon plan infaillible. J'ai dû juste aller voir le paras et te casser. Enfin, le parasport, donc comment il s'appelle, bon, je sais pas. Galet noir. Parasecte. Okay. Oh eh eh. On se calme, Michel. Mais oh, dis donc. Ma sacoche est pleine. Ah oui, mais ça, je voulais en crafter 15, ça en a crafté 2. Puis je vais pas prendre ça sur les Pokémon que je veux pas garder. Oh là 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 là. Gestion de l'inventaire réaliste. RT. Est-ce que je peux me TP? Est-ce qu'on peut se TP, s'il vous plaît? Quête de Risa. Attends, la me... Ok. Bonjour. Il y a la TP magique, let's go. Faut qu'on dégage tout ça là. J'ai un milliard de baies différentes. Hop. Non, tout déplacé, voilà, merci. J'ai trop de baies là. Ah, ralentir les mouvements, on va peut-être garder des trucs comme ça. Ah, mais non, mais qu'un seul. Ok. On va garder que les boules pour l'instant. Mais t'en as qui ralentissent, t'en as d'autres. Ok. Les galets, on garde, il y en a besoin. Les galets noirs. Pour l'instant, on va pas les utiliser, on les met de côté. Ça, c'est un rappel, on en recraftera un s'il faut. Ça peut restaurer 20 PV, ok, donc ça a double utilité. Voilà, on en est moins chargé comme ça. On va se crafter des balls aussi. On va attendre avant de passer au ball supérieur. Après, en vrai... Voilà. On en a fait 5. Je veux bien dormir un peu. Et on va y retourner de nuit. Jusqu'au soir. Comme ça, on verra peut-être d'autres créatures. Mais tu vois, du coup, pour eux, j'aime beaucoup la progression, tu vois. Ça change, c'est différent, c'est plus dynamique. C'est une approche sympatoche, je trouve. Ah, par contre, il y a des nouvelles quêtes et tout. Hop, tu gagnes de la thune comme ça. Après, t'as le point sur ton rang. Au niveau du camp des chercheurs, là. On a complété, ouais, d'accord. Mais je peux évoluer ou pas? Non, je peux pas. Moi, ouais, je peux pas, je crois. Comment ça s'est bloqué, j'ai l'impression. Non, elle m'a dit que c'était bon, retourner au village. Attends, on va aller voir. Si on peut passer rang 2 et level up tout de suite. Hein. Après, tu vois, les gros Pokémon, tu peux pas les attraper comme ça. Hein. Donc, tu seras bien obligé de fight, mais c'est vrai que c'est différent, du coup. C'est beaucoup moins axé sur le fight. Par contre, est-ce que je peux trier un peu mes objets, là? Comment on fait pour trier? Ah, tu peux pas choisir l'ordre. Oh. J'aime bien avoir les Pokéballs en premier, quand même. Par contre, l'amulette, du coup, elle a un effet, mais elle prend un emplacement. Ça, c'est à retenir, du coup. Je
sais pas à quoi ça sert ça. Bon. On va aller voir si on peut passer rang 2. Après pour Rose pareil, hein, faut finir le jeu. Parce qu'on connaît le garçon. Quoi? Et l'autre elle a un abra là. Ok. Étoile 2. Et là apparemment j'ai débloqué plein de quêtes. Des plumes ball. Niveau 30. Un galet azur. C'est des trucs que j'ai même pas. Super potion, ok. Je pense pas qu'il ait évolué mon truc. Non mais je suis pas très loin en fait. D'accord, j'ai déjà fait la moitié du jeu. Ok. On peut toutes les accepter là? Ok, on va pas si... attarder tout de suite. Oh punaise. Il y a des trucs partout! Je me trompe de touche. Attends quoi? Un Ponyta Shiny qui ne me quittera jamais. Celui sur Wii. Que tu veux toi? Attends, sur oui? Ouais non, je sais pas. Attends quoi? Qu'est-ce qu'on fait là? Ok, il y avait un racaillou. T'as choqué, elle allait me demander de déplacer des objets. What the fuck? J'ai pas de racaillou, madame. Je reviendrai un jour, peut-être. Donc t'as plein de quêtes, là faut que j'aille au camp d'entraînement, tout ça, tout ça. Mais je vais m'abstenir, on fera plus ça en fin de live. Là, on va essayer d'aller en ligne droite à l'objectif. Oh, il y a encore une autre quête. Oh lolololololol. Je sais pas si on peut les compléter sur la route. Hein. Donc, elle nous parle de B. Je veux me rendre dans les plaines pour ramasser des galets. J'en ai, c'est bon. It's for you. Oh yeah. Trois rappels. Bon, c'est rentable. Bon, c'est pas forcément des quêtes hyper palpitantes non plus, mais... Après, pareil, comme ils sont pas très développés en termes de Pokémon, je pense pas qu'il y ait des quêtes où t'échanges un Pokémon. Je pense pas. Oui, mais tu vois, c'est ce que j'ai fait, mais là, j'ai vu qu'il y en avait une là. Mais... putain, il y en a partout, en fait. Enfin, je les ai toutes prises, mais... je vois ça sur la route, je vais pas me focus dessus. Ah non, faut finir le truc, par contre. Je l'ai fini ou pas? Ok, on a les infos qu'il faut. Très bien. Récompense de merde, merci quand même. What the fuck? Attends quoi? Voilà. Trois plantes que je peux ramasser moi-même dans la nature. Merci. Ah, pas tout mou? Oula. L'ingrédient principal. Champignons, j'en ai. Attends, champignon tout mou, c'est bien ce que j'ai là. Ok. Oups, on aura fait trois quêtes en un instant. Mais c'est que là, j'aurais voulu avancer un peu dans le scénario en fait. Du coup, nouvelle recette. Jouer les Pokémon pour leur enlever leur état diabolique. Pour les jouer normalement.
Ouais, j'ai pas joué à ça, Guillaume. C'était sur GameCube. Colosseum, ouais, c'était sympa Colosseum, t'avais même des mini-jeux, je crois. Et tu pouvais jouer à Pokémon Rouge, me semble-t-il. Mais l'autre, j'ai pas fait. Attends, où c'était Poké... Ouais, je sais plus. C'était Colosseum, ouais, je sais plus. Ok. Pas de tout mou. On peut les crafter à présent. Attends, pour dégager l'inventaire, je vais peut-être en crafter un de plus avec le champignon. Ah, c'est pas les appâts qu'il m'a donné. Il m'a donné. D'accord. Ok. Donc l'inventaire est déjà plein. Au pire, on va se crafter un appât et on s'en servira quand on sera plein ou presque. Mais ça, par exemple, ça va pas marcher sur un gros, ça. Sur un Parasect niveau 30. Ça marchera jamais. Hein. C'est qu'il y a besoin de level up, là. Lui, je veux l'intégrer, il faut que, faut qu'il level up un peu. Vas-y, go. Enfin, pour l'instant, en tout cas, on verra peut-être si je trouve un autre Pokémon haut. Après sur Wii, tu pouvais même mettre les disques, mais oui. Même sans parler des craqués ou quoi, mais ouais, tu pouvais mettre les petits disques. Oui, si, je me rappelle maintenant que tu en parles. Les mini disques de la GameCube. Là. Bon, du coup, ouh, qui quoi? Ah d'accord, j'ai ramassé du bois. Du bois. Putain mais l'inventaire il va être oméga plein. Oula, calme-toi, calme-toi. C'est encore des étourdis. Oula. Il vient de se barrer là. Ah! Non, non, vous venez d'où? Qu'est-ce que. Non, mais dis donc. Pousse, je suis en train de parler. DB cerise, j'en ai, mais pas sur moi, je crois. Oh non! Je sais pas sur moi, je crois. J'en ai 2 sur 3. Après, en vrai, normalement. Et sur Mayo. Et Rakaillou. Non, mais dis donc. Dis donc, Rakaillou, là. On est où, là? Ça t'y va. Ça dépend des oui, les premières l'été je crois, après peut-être qu'ils ont enlevé le truc, j'en sais rien. Ah! Non, caillou! Il est mort! Putain, ils font des attaques eux, what the fuck. Hé! Mais ça peut faire des esquives, OMG! Là t'as esquivé là. C'est lequel le mien? L'attaque choc mental. Let's go. Et du coup, j'affiche jamais la jauge de tour, mais ça ressemble beaucoup à du Final Fantasy X, du coup. Mais 30 STP.
Et ils ont supprimé le délire de... Oh non. Attends, somnolence, mais il dort pas là. Quoi? Attends. Ça ressemble à FF10. De Baudruff, ça fait des boobs de lui. Mais non, mais... Dans le sens où t'as le... Les tours qui s'affichent. T'as une touche pour les afficher. Du coup, un caillou, il faut en capturer un. Putain. Non. Donc toi, tu m'as saoulé, t'es moche. Je le prochain. Regarde, t'as les tours comme ça, là. Là, si je fais ça, tu vois, après j'aurai deux tours par rapport à lui. 1-1. Ça lui fait trop mal. Il va falloir le tuer discrètement. Le tuer, le capturer, pardon. Il n'est pas là pour tuer les Pokémon. Hein, pour FF10, tu sais le jeu que Charlie t'a offert? Tu sais le jeu auquel t'as jamais joué? Tu sais pour où? Dis-moi que tu sais. Évoluer. Gisement mini. What? Vaincu par plante. Ah, il faudrait que je le vainque avec. Avec mon piaf. Ah, c'est pas un coup surprise. Si tu sors de là, mon gars. Ah, c'est bon. Donc lui, il faudra le ramener du coup. Parce que pareil, un caillou, ça va pas m'intéresser. On se fera petit. Oh, mais j'étais en train. Faire un petit t'es chiant. J'aime pas le. Bouh! Bouh, les Nosferapti, bouh! Tu vois, si je fais petit style. Si je fais style puissant là, il aura deux tours. On va tenter en espérant que ça passe. Après ça charge un peu l'interface, donc on va peut-être pas le laisser. Mais... Il n'a pas la traîne lui. Attends, faut en tuer un avec une plante, on a dit. Donc mon oiseau est une plante. Hein. Let's go! Je comprends pas. Ah oui, non, parce qu'on lui, on lui avait. Enfin, Charlie lui avait payé, donc il lui avait joué un peu, mais. C'est un loup et du coup, bah, il va jamais relancer le jeu. C'est un cadeau, mais voilà. Hein. Dire-moi qui offre un jeu à Echo et qui joue jamais avec moi. Attends, Kibix, Redictate. Ça se casse. Kibix, tu vas pas me dire que. C'est bizarre. Hein. Très très bizarre. Wesh, je m'appelle pour eux, je dis wesh. Je suis trop un thug. Du coup, je vais peut-être couper l'épisode et relancer elle. Ah, elle. On vérifie un peu ce qu'on a. Ok. Bon. Et ben, je coupe l'épisode là-dessus. Je vous dis merci d'avoir regardé et on se retrouve du coup au prochain épisode pour voir ce qui se passe au niveau de ces ruines. Ciao!